ça fait déjà 8 ans que l'on vient ici. C'est notre deuxième année. C'est la 15e année. C'est la première année. On se connaît aussi maintenant entre producteurs. Les exposants sont très sympas, l'organisation aussi. Franchement, on a un beau marché de Noël qui est de mieux en mieux chaque année. Produit phare, c'est le jambon, le noir de Bigorre. Un vêtement acheté, le deuxième à moins 50%. Une nouvelle variété, c'est des noisettes à la framboise qui sont excellentes. On a sorti du four ce matin presque notre biscuit de Noël. Là, on est sur un mélange cannelle, pain d'épices. Donc là, c'est bien, c'est qu'il y a chaque produit de chaque région. Et ça représente un peu la France, ça représente notre terroir qui est important et qu'il faut garder. Parce que malheureusement, le problème du terroir de la France, c'est qu'on le garde de moins en moins. Ce sont des bougies à fabriquer, comme de la pâte à modeler, sauf que ce sont des bougies. Il faut créer un personnage, bonhomme de neige, bougie, grenouille, petit nounours. Et je mets une mèche dedans et après, la veillée de Noël, où les enfants mettent ça au pied du sapin. On a à la fois la qualité nutritionnelle, on va dire, ou de gourmet ou de gourmand. Et puis aussi un moment de magie avec les enfants. Et comme la boîte à lettres du Père Noël n'est pas très loin, j'y vais de ce pas. Si vous le permettez.